la chaîne YouTube de Scanner et Tipodan et The King Rick qui est le caméraman aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire voler le plus grand cerf-volant, le mien, mon cerf-volant. Il fait 2 mètres, c'est un cerf-volant de 2 mètres. C'est le Zenith. Zenith 7. Voilà, le Zenith 7. Il est là-bas. The King Rick qui va nous faire décoller avec moi. Moi, je suis avec ça parce que. De perte. J'ai mis des gants pour éviter les coupures, hein, au niveau d'ici, c'est-à-dire au niveau de... Parce que comme on attrape la ficelle, des fois on peut se couper les doigts. Donc, c'est parti, on va faire voler. Allez hop.
de ma tête. Au moins 30 à 40 km/h pour bien guider le cerf-volant. Sinon, ben, il tombe dans les arbres. Un gouffre dans la corde. Je suis obligé de bouger en permanence pour que le cerf-volant se dirige comme je veux. Je suis obligé de faire des mouvements avec le bras pour que le cerf-volant ne tombe pas. Là, c'est comme si c'était vous qui le prenez dans les mains. Voici la vitesse qu'il donne dans les mains, voilà. Le dernier mot par la fin, c'est du sport, franchement c'est du sport. Vous croyez pas que le cerf-volant c'est pour s'amuser avant tout? Oui, oui, en effet c'est pour s'amuser, mais aussi pour avoir de l'endurance quand même, dans les bras, avoir des gants, surtout quand vous avez du matériel de
un cerf-volant de professionnel, hein, non. C'est pas un joujou d'enfant, celui-là. Hein. On vous mettra le lien là en dessous là. Et vous irez voir le lien. Si vous voulez vous faire plaisir avec le cerf-volant, le Zenith ça. Ouais, le Zenith 7. Le Zenith 7 ou le Zenith 5 que mon fils a fait voler l'autre fois. Ben, on va vous mettre les deux liens en dedans là en dessous. Dans la description. Voilà, dans la description. Et puis si vous voulez nous rejoindre, appuyez sur le bouton rejoindre, ça nous fait plaisir aussi. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors pour le cerf-volant, il faut avoir des gants. D'accord. Des bras pas. Il n'est pas conseillé pour les enfants, celui-là. Personnellement, il faut avoir au moins 18 ans et avoir des bras. Parce que ça fait travailler les bras. Hein. Ça fait pas que travailler les bras, ça fait travailler aussi le corps. La corde, elle est très très solide. Je sais pas pourquoi tu filmes. Celui-là. Je montre la longueur du fil. Il faut au moins 200 à 400 mètres, voire 500 mètres de fil. Là, j'ai pas tout déballé parce que franchement, il serait monté très haut. Celui-là, hein. Celui-là. Pourquoi tu filmes de ça? Bah, je leur fais voir la, que t'as pas tout déroulé. C'est très bien que tu n'as pas tout déroulé. Ça sert à rien ce que tu as fait. Bah si. Voilà. Bref, là je n'ai pas tout déroulé parce que il y a à peu près 250 mètres de fil. Là j'ai à peu près déroulé à peine la moitié. Donc 50 mètres, 60 mètres. Parce qu'avec le vent là aujourd'hui, il serait parti très très haut. Et on a des rafales de vent de. Entre 10 et 30 km/h, donc croyez-moi, en haut ça souffle. Là, c'est road seul. Hein. Mais quand c'est en hauteur, ça souffle plus. Il faut multiplier par 2. Donc, si c'est 10 entre 10 et 20 ici, en hauteur, c'est entre 20 et 40. D'accord? Donc, il faut bien avoir les mains fermes sur la poignée, ou sinon, tu peux dire au revoir à ton cerf-volant et puis le regarder voler longtemps. Bon, sur ces mots-là, les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, hein, forcément, comme d'habitude. Mettez-nous un commentaire, hein, savoir si jamais en futur ça vous intéresserait d'avoir un cerf-volant. Mettez-nous un petit commentaire, ça nous fait aussi plaisir parce que nous, on ne voit pas que vous mettez des commentaires. Il n'y a jamais eu de commentaires, on voudrait aussi avoir des commentaires. Sur tous les articles qu'on met, on vous met le lien à chaque fois. Par exemple, pour le bateau ou pour hier. Le lien a été mis. Voilà. J'ai mis un autre lien pour qu'ils voient qu'il y a d'autres bateaux sur Amazon. Voilà. Donc pour les liens de cerf-volant, tout ce qui s'ensuit, eh ben on vous met tout le temps le lien sur notre description. Donc allez-y, allez voir. Et si vous voulez mettre un message, mettez hashtag cerf-volant aussi. Hashtag cerf-volant. D'accord. Vous nous mettez dans les messages. Dans les commentaires en bas de la vidéo, tout en bas de la vidéo. Il y aura les commentaires. Vous inquiétez pas, on y répondra. Moi, je suis obligé de rembobiner. Bon, je vous dis à la prochaine. Ça arrive. Big up. Au revoir. Big up. Et avec le camp, c'est. Standard, non? C'est chaud quand même. Allez. Voir ce Z. À la prochaine, Xarog. Likez, partagez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. La cloche de notification. Allez. Ciao.